I've done this before. So tell me, darling, once again, what you said and what you swore. 'Cause the sideline goes over. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve en face de la cabine et là ce qu'on va faire c'est qu'on va la monter. On a trouvé une technique, on a placé des rondins. Charlotte a monté un peu la cabine et moi je suis venu avec un tournevis pour déverrouiller la serrure. Parce que quand vous avez plus d'huile, vous avez un gros ressort et le ressort vient fermer votre serrure. C'est pas encore comme les flexibles de cabine qu'on retrouve sur les camions récents où vous êtes obligé de pomper un petit peu pour verrouiller les verrous. Nous on a un seul verrou et en fait tout simplement quand vous avez votre cabine qui tombe, ça fait comme une portière de voiture, ça fait clic et le gros ressort il vient serrer. Et là comme on pouvait plus monter la cabine et déverrouiller le ressort avec l'huile hydraulique comme il y a une fuite, et là on a réussi à lever de quoi 15 cm la cabine. Donc Charlotte elle a découpé des cales de chaînes qu'on vient mettre sous les petits tampons en caoutchouc. On lève au fur et à mesure et on vient caler de plus en plus pour lever la cabine. Une fois que la cabine sera à moitié, on mettra beaucoup plus de cales et on mettra aussi des grosses barres en travers comme ça pour caler la cabine, parce que là c'est assez dangereux, elle peut tomber d'un moment à l'autre, hein, faut le dire. Et on fait super attention et on va vraiment ultra caler. Et une fois qu'elle sera vraiment basculée entièrement, elle sera en équilibre en fait, il y aura quasiment plus de poids. Là on pourra mettre des cales pour être sûr qu'elle ne tombe plus, et on mettra peut-être même des sangles, voilà, pour vraiment la maintenir plusieurs jours en attendant d'aller refaire les flexibles et pouvoir aussi travailler en dessous en toute sécurité. Salut à tous. Voilà, vous pouvez apercevoir le cric, et là on commence tout doucement à lever la cabine. Les rondelles que Charlotte a faites, on les met là. Voilà, ce qui fait que quand la cabine va redescendre, on cale ça en toute sécurité. Et on fera ça pareil dans le sens inverse. Hein. Vous voyez, on voyait ça en fait. Je me suis dit, oh, ça va, c'est juste en surface. Mais en fait, non, avec les hydrocarbures au niveau de la serrure, tout ça, le fleuve, regardez, tu vois, c'est devenu tout fragile. J'aurais dû échanger, c'est de ma faute. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Je vais te casser le cou. En tout cas, vraiment, si ça peut être mon conseil, si vous avez des flexibles de cabine qui sont en mauvais état, qui vous paraissent en mauvais état, levez votre cabine, mettez-la en sécurité, bloquez-la et changez-les. Si jamais ça vous arrive, vous avez vu la galère pour lever une cabine après. Des barres, normalement elle peut pas tomber parce qu'elle est en point de bascule, donc c'est assez impressionnant parce qu'elle est levée à fond, elle est en bascule et la sangle elle est assez costaud pour le retenir, il n'y a quasiment pas de force. Là si je veux je pourrais la lever à la main, mais on va quand même mettre des cales au cas où, bien tout serré, bien tout sanglé, et surtout je vais pouvoir faire ce que je voulais faire depuis le début, passer le moteur au Karcher. Regardez. T'as vu ce que ça fait, hein? Ah, tu vas me le payer cher. Ouais, mais moi je risquais rien tout à l'heure. Tu dis ça quand je suis en cours. Papa, attention, Jérém. Là, il aurait fallu un autre. Attention, papa, attends-moi derrière toi. T'as vu ce que ça fait de faire peur aux autres? Tu m'as fait flipper tout à l'heure quand tu étais à la sonde. Some holy people walk out.
qui est cool en fait, c'est qu'il y a un code couleur. Voilà, il y a le rouge qui va en haut du vérin et le jaune qui va en bas. Voilà, enfin tout ça c'est en pied de vérin bien entendu, mais voilà. Le rouge en haut, le jaune en bas, et je retrouve le même code couleur sur la pompe là-bas. Donc j'ai bien tout repéré, maintenant je peux démonter. Ah, c'est des coups à se faire mal ça. Vous savez hein, si vous bricolez, hein, c'est des trucs qu'on peut pas faire avec des gants. Et voilà, souvent quand on tire et là ça fait clac et là... Surtout qu'il y a des vis et tout à côté là. Voilà, les flexibles, deux vérins de cabine. C'est tout petit hein. Dire que ça tient que sur ça la cabine. Quoi, c'est commandé que par ça. L'hydraulique est très puissant aussi hein. Bon, eh bien, on revient du magasin d'hydraulique. Alors, ils peuvent, les tuyaux, c'est pas un problème. Par contre, c'est les raccords, c'est des vieux raccords qui ont été remplacés et apparemment, ils peuvent pas les trouver. C'est un pas de vis spécifique. Alors, on attend, ils vont essayer de se renseigner, voir s'ils peuvent les trouver et on verra. Et s'ils peuvent pas les trouver, bah, je reprendrai les tuyaux parce que je les ai laissés là-bas. Puis, bah, j'essaierai de trouver une entreprise qui aura les vieux raccords ou les vieux stocks. Des fois, ça arrive. De toute façon, il y a toujours une solution. On arrivera forcément à se débrouiller et à trouver remplacement de ces flexibles. Et on va continuer ce qu'on a à faire, c'est-à-dire mettre les cales de suspension. Je vais aller voir si elles sont bien sèches. Vous avez vu dans la dernière vidéo, elles ont frisé. J'étais un peu dégoûté. Alors les garde-boues sont démontés, c'était pas une mince affaire parce que franchement il n'y a pas d'accès là-bas, c'est pas terrible. Mais voilà, c'est fait, donc c'est le principal. Alors ici on a les trous d'origine pour cette pièce métallique et là j'ai vu que j'avais deux trous. Et quand je mets mes barres de fer pour mes garde-boues, ça correspond. Donc je vais pouvoir me resservir de ces trous-là qui sont faits d'origine. On dirait que c'est fait exprès. Il y en a de chaque côté, il y en a deux là-bas et pareil à gauche. Alors là ce que je suis en train de faire... C'est je suis en train de lever avec un cric la caisse palessieux pour soulager la lame. Parce qu'en fait, j'arrive pas à mettre ma pièce métallique. Et vous allez voir que tout à l'heure, ma lame, elle était ici. Et là, il va falloir que je lève encore. Et c'est vraiment assez impressionnant, c'est que les lames, elles vont toucher, mais vraiment beaucoup en fait. Donc c'est très 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 bien que je remette ces cales. Et maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que quand on va descendre le cric, on va voir si vraiment les lames, elles appuient. Et si elles appuient fort, ça veut dire qu'il fallait vraiment les remettre. Alors, voyons voir ce que ça donne. Déjà, vous pouvez voir que mon cric, il est levé, il était posé, donc je l'ai entièrement levé de ça. Et ça commence déjà à toucher. Vous voyez, j'ai un tout petit jour ici. Alors, on va descendre et on va voir ce que ça donne. Attention, c'est parti. Voilà, et là, vous voyez... La lame, comme elle a appuyé, c'est un truc de dingue. Bon, bah, il y a un peu plus de modifs que prévu pour mettre le garde-boue. Il va falloir que je fasse des trous dans le châssis. Je sais, on n'a pas le droit, mais c'est pas grave, c'est des petits trous. Je suis en train de faire mes trous dans le châssis. C'est pas grave, c'est juste des petits trous. Regardez, il y en a partout. Des petits trous, toujours des petits trous. Je fais des petits trous. Encore des petits trous. Ma perceuse ne marche pas, ma perceuse ne marche pas. Les supports sont montés sur le châssis, maintenant il va falloir que je redémonte un petit peu ça parce que ça va être décalé. Donc je décale environ 15 cm. Voilà, ça va arriver ici. Voilà, je m'attaque au deuxième côté. Comme hier, il commence déjà à faire noir. Donc on se prépare à tout ranger. Les journées sont beaucoup, beaucoup plus courtes. Alors Charlotte, allume un feu, regardez. C'est trop chouette. Pourquoi? Parce qu'on a un invité. Surprise. Spécial confinement. Voilà, il va rester avec nous tout le confinement. Il va rester avec nous tout le long du confinement. Ou elle, on ne vous donne pas d'indice. Laissez-nous en commentaire si vous avez une petite idée de qui il pourrait s'agir. Donc ce soir, ça se dit ? Oui. En parlant de mes petits, de mes petites expressions, moi je suis comme ça en fait, je parle des fois mal, mais comme je dis, c'est moi, ça me ressemble, faut pas essayer de me changer, de toute façon je ne changerai pas, je suis comme ça. Et j'en viens à une chose, je sais jamais s'il faut dire, je vais vous montrer, je vais vous faire voir, donc qu'est-ce que vous en pensez si je dis, je te montre. Ça me ressemble plus aussi. Maintenant on commence à se connaître, je pense que des fois je peux dire regarde ou alors je te montre.
Bah les bandits, quand on se voit, on se tutoie. C'est ça aussi, je trouvais bizarre. Ah, je sais pas, mais quand on se voit, on se tutoie avec les bandits. Est-ce qu'il faut continuer à vous voyer les gens ou à tutoyer? Je sais pas. Laissez-nous en commentaire ce que vous en pensez. Donc ce soir, repas spécial pour la bienvenue. Ça sera pas ça tous les jours. Hein. C'est juste faire bien le premier soir. Voilà, après, il est confiné. Après, il se débrouille. Hein. Voilà. Il ou elle. Et du coup, encore à nouveau. Tartiflette. Donc voilà, c'est parti pour la tartiflette. De temps en temps, tutoyer, voilà, ça n'empêche pas le respect. On va aller chercher du bois mort. On vous souhaite à tous un bon début de confinement. On se retrouve dimanche pour parler de tout ça. Organisation, qu'est-ce que nous on va faire pendant le confinement. Et vous aurez la suite de la mécanique mardi prochain, parce qu'on va recevoir les flexibles de cabine. On va remonter tout ça, tout bien nettoyer. Ça, c'était pas très français aussi. On se retrouve dimanche pour le live où on va parler confinement. Quelle sera notre organisation pendant le confinement? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va s'occuper? Alors, on vous dit à dimanche. À dimanche pour le live. N'oubliez pas de mettre des petits pouces. C'est au-dessus ou en bas, là, quand vous regardez la vidéo. Ça doit être là ou là. Non, les pouces, c'est là. Normalement, les pouces, ils sont là. Vous mettez un petit pouce. Ah bon? Et si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez par là. Ça fait toujours plaisir et ça permet d'être mieux référencé dans YouTube. Surtout, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Ça, c'est vachement important pour nous. Un petit commentaire, un petit pouce. Gros bisous à tous, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye. À dimanche.